Elisabeth, le fast-food en France aujourd'hui, c'est quoi? Il y en a beaucoup. D'abord, c'est une croissance phénoménale. C'est un chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros. Et pour la première fois, ça pèse plus que la restauration à table, hein, que le restaurant traditionnel qui, lui, est de 88 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Je crois que ramené au nombre d'habitants, on a dépassé les États-Unis. C'est complètement délirant. Alors nous, en France, ça cartonne. C'est plus de 180 000 salariés. Et rien que pour les burgers, il y a eu 110 adresses nouvelles en à peine 2 ans. Donc c'est phénoménal. Les acteurs se multiplient. Et effectivement, on est passé du fast-food, alors vous n'aimez pas cette expression, au fast-good. Parce que nous, en France, on veut du rapide, mais on veut de la super qualité. Et surtout, on veut que le consommateur veut être rassuré. Il veut voir la cuisine, comment ça se passe, les produits. Il veut connaître et savoir d'où ça vient.